You're very welcome to Radio Television Obsessive and the news this evening. North Korea acquires two new Tepedong 2 missiles. Ireland becomes independent for the third time and France abandons digital time. But first, we're over to the weather room now for some weather updates from Shirley. Shirley. Absolutely marvelous. Well, that's great. I'm going to be wearing my sunbathing outfit tomorrow. Je travaille très souvent avec la cartographie dans mon practice artistique avec des pays imaginaires. J'ai commencé en Irlande et ici en France. J'ai travaillé sur une série des œuvres qui s'appelle KOO, Construit Public Obsessive. Et là, j'ai créé des cartes de les pays qui n'existent pas, qui sont pleins d'infrastructures inspirées par mes obsessions et mes fétiches. Par exemple, il y a l'aéroport international de Dalida, autoroute de France-Gall, place des marins virils, parc des hommes musculés. Mais c'est vraiment qu'une composition de mes obsessions. Well, pour un artiste obsessif, une de les caractéristiques de la practice obsessive, c'est que toutes les choses que nous faisons sont liées avec nos obsessions. So, pour beaucoup de gens, ils font les mots croisés ou le sudoku dans les journaux quotidiennement. Pour moi, comme thérapeutique, je fais des listes. Même si ce n'est pas vraiment une œuvre, c'est un système pour positionner mes cerveaux pour la création des œuvres. C'est un certain rituel quotidien que je fais. Il y a beaucoup. Pour des artistes obsessifs, il y a beaucoup de rituels pour être dans la zone de création. Pendant la vie quotidienne, je fais beaucoup de recherches, c'est-à-dire que je fais des dessins et je archive tous dans le utility box. Mais c'est essentiel pour mon practice artistique que je garde un certain contrôle. Quotidiennement, je fais une destruction de les choses inutiles. Par exemple, un dessin, ça va aller dans cette catégorie ici. C'est juste bien d'avoir une quantité de recherche bien réglée.
nous avons une coopération mutuelle entre les artistes obsessifs, parce qu'il y a des Kunstbüros aussi à Dublin et à Berlin. Et il y a un discours de cohérence lié avec un foi fondamental dans les fonctions utopiques de l'art. Un bon exemplaire, c'est Panultimate International Airport. Un vrai triomphe de l'unification de le chemin de feu et le aérogare. Pour un artiste irlandais de prendre les sujets comme les aéroports, c'est un bit hors de la normale. Un artiste irlandais, c'est quelqu'un qui cherche de excaver quelque chose de l'identité et de l'esthétique nationale. Avec les préoccupations que j'ai comme artiste, je suis fondamentalement un artiste européen. Mon obsession avec les aéroports et les avions, j'aime bien le lier et le juxtapositionner avec mes autres obsessions, mais c'est quelque chose de très complexe et c'est quelque chose que je ne comprends pas totalement moi-même. Et peut-être la raison que je fais cette quantité d'œuvres sur le sujet de cette obsession, c'est pour le comprendre, moi, pour moi de trouver c'est quoi la raison d'être.